Coucou tout le monde, c'est Caroline. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc moi, ça va super bien. En fait, je suis super excitée parce que là, je vais vous présenter en fait un sneak peek d'une toile d'une belle compagnie québécoise que je suis fière que c'est une compagnie d'ici. Et franchement, de qualité, parce que à la base, elle faisait surtout des potties, mais elle a grandi sa boutique et a grandi. Et maintenant, elle offre des toiles en diamond painting, dont bientôt il va y avoir des diamants fairy dust, donc des poussière de fées, je pense qu'on dit, dans les prochaines toiles. Je pense que ça commence à partir de la deuxième précommande, je crois, si je me trompe pas, là, si je dis pas de bêtises. Mais ouais, déjà, wow. Puis, je pense que dans ces kits-là ici, il y a des diamants strass et des diamants AB, si je me trompe pas. Il y a deux catégories pour ces peintures à diamants. Donc, il y a la catégorie A et la catégorie B. Donc, okay. La catégorie A, c'est vraiment des toiles de très grande qualité parce qu'ils sont vraiment revérifiés par l'humain, en fait, parce que c'est des toiles faites par intelligence artificielle, mais également par des humains. Donc, c'est pour ça que catégorie A et catégorie B, c'est différent un peu parce que la catégorie A va être un peu plus travaillée que la B. Donc, on m'a gentiment proposé de faire un sneak peek pour sa belle compagnie. Donc, évidemment, j'ai accepté avec grand plaisir et c'est un honneur pour moi de présenter ses produits aujourd'hui. Donc, je la remercie beaucoup, beaucoup d'ailleurs de sa confiance et de sa générosité. Wow! Merci beaucoup, Vicky. J'apprécie beaucoup. Donc, j'espère que ma vidéo va être à la hauteur de tes produits, parce que je pense que c'est vraiment des produits de qualité. Si on regarde tes potis, d'après moi, ça devrait être aussi de qualité. Déjà, juste voir la boîte, là, ça en dit beaucoup. Et d'ailleurs, le toolkit ici, là, que j'ai reçu aussi, trop mignon, c'est dans un petit sachet de velours imprégné, là, le nom de sa compagnie, donc l'essentiel ADP, et avec un beau diamant ici de brodé. Vraiment trop beau. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'elle m'a donné là-dedans. Je suis curieuse. Je ne l'ai pas ouvert encore. Donc, on a ici une carte d'affaires. Donc, on a ses réseaux sociaux ici. Donc, elle a un Facebook, Instagram, Pinterest et... ici, son courriel. Donc, c'est génial. Ici, c'est « Attention, warning, ne convient pas aux jeunes enfants. Ne pas manger. » Ah, ça, c'est sûr. Hein? Mais elle a tellement des produits qui sentent tellement bons que, hein, faut le spécifier. Ah non, ouais, c'est poté, là, ça sent. Même, j'ai ouvert le sac, là, puis ça sentait... Ça sent la coconut. Donc, on a ici un washi tape. Il est vraiment trop beau, ce washi tape-là. Regardez-moi ça. En plus, il est pailleté. Toutes sortes de couleurs magnifiques. Puis, il y en a une bonne quantité, là, quand même. Regardez-moi ça. Et c'est vraiment elle qui l'a fait, là. Regardez. Ouais. Wow. J'adore. Déjà, là. On a ici un autocollant, donc avec le nom de sa compagnie, donc l'essentiel ADP. Il est vraiment trop beau, il est un peu translucide. Ouais, j'aime beaucoup. Donc, je vais regarder voir où je peux le coller, parce que c'est sûr que je le colle à quelque part, il est trop beau. Donc, ici, on a un petit cover minder aussi avec ça. Trop mignon! Et un aimant de qualité, là. Ouais. Je sens la force.
Ah, il est vraiment trop beau. Un petit nuage avec un début d'arc-en-ciel. Trop mignon. Merci beaucoup, Vicky. C'est fort gentil de ta part, vraiment, là. Ouais. Donc, ça ici, je vais remettre ça. Merci beaucoup à toi. Ça ici. Donc, on va aller ouvrir la toile. Je vais essayer de ne pas vous dévoiler l'image tout de suite. Je vais vous garder la surprise. C'est vraiment une boîte de qualité, comme vous voyez. Là, on dirait une boîte comme Diamantaire Club. Là, c'est vraiment super bien présenté. Franchement, Vicky, le waouh! J'ai très hâte de voir cette toile-là. Je fais attention parce que l'image est en dessous et je ne veux pas vous montrer tout de suite. Je vais découper un peu plus. Et voilà. Donc ici, sur la boîte, on a son logo. Donc, l'essentiel ADP, c'est indiqué ici l'essentiel pour agrémenter votre expérience DP. Et ici, c'est inscrit Diamond Painting Canva, donc toile. Ici, c'est inscrit comme quoi c'est du diamant rond. Donc, ici, c'est inscrit en anglais. Et passer à un niveau supérieur. Même chose ici en anglais. Donc, ouais, franchement, une très belle boîte. Ici, okay. Donc ça c'est le côté en français. On a des avertissements. Donc c'est ici, risque d'étouffement. Contient de petites pièces. Ce produit n'est pas consommable. Tenir hors de la portée des enfants de moins de 8 ans. Disposer directement de tous les emballages en plastique. Ouais, donc ne pas. Ah, ici, on fait une faute, c'est vrai, j'avais vu ils vont changer ici, là, c'est parce qu'ils ont oublié le N dans l'essentiel ADP, mais ça va être changé là. Donc, ouais. Mais je pense sur la toile, ils l'ont bien indiqué. Ici, on a contenu de la boîte. Toile de peluche douce avec rebord ondulé, diamant en résine codé par couleur, étiquette autocollante prédécoupée pour les contenants, les œuvres d'art à couper le souffle que vous pouvez faire à la maison et l'encadrer, pas besoin d'expérience, aide à soulager le stress et l'anxiété. Ça, c'est 100% vrai. Je le confirme. Donc, moi, ça m'a beaucoup aidé. Étant de nature anxieuse, là, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Niveau stress et anxiété, on dirait que ça nous change les idées. On pense à autre chose, puis on diamante. Puis après ça, on a une belle toile à encadrer. Donc, on va aller voir le contenu. Oh wow! Ça vient aussi dans un papier. Juste vérifier s'il y a autre chose. Non, OK. Dans un papier transparent. Donc, c'est doublement protégé. Wow, c'est gros, là. Je pense que c'est une 60. Est-ce qu'on a la description? Non, je ne l'ai pas là-dessus. Mais la toile s'appelle Whippet Arc-en-Ciel. Donc Rainbow Whippet. En diamant rond. Oh wow. C'est hyper bien imprimé. J'aime beaucoup. On va aller ouvrir ça. Je vais cacher l'image parce que je pense qu'on la voyait un peu. Pas.
Oh wow. Et franchement, là, ça a l'air d'une grande toile. C'est une 60 par 60. Puis je pense que c'est vraiment bord non inclus. Oh my god. Et le dos ici, on voit, c'est vraiment de qualité. C'est tout doux. Et les bords ici sont dentelés et troués pour éviter que ça s'effiloche. Donc, c'est génial. On va aller voir. Oh, wow, les diamants. Oh, regardez-moi ça, les couleurs. Oh, on a un toolkit. Je pense que maintenant, elle va les... c'était pas censé, elle avait demandé de retirer les toolkits, je crois. Et parce qu'elle va les faire elle-même. Elle veut vraiment les faire elle-même parce que, tu sais, elle fait des potis, elle fait plein de choses, donc c'est encore mieux si elle les fait elle-même, là, ça va être encore beaucoup mieux. Donc, on a ici un multiplacer de 4. On a un squishy orange. On a ici un pain de cire. On a une barquette avec bec verseur. On a... Donc ça, dans les prochaines commandes, il ne devrait plus en avoir de ces styles-là. Ça serait vraiment les toolkits à Vicky. Donc ici, on a un multiplacer de 10. On a un crayon ici transparent avec un embout simple et un embout de 3. On a ici une pince. Oh! À bout un peu plus rond que d'habitude. D'habitude, c'est... plus pointu que ça. Donc ça serait peut-être bien pour les pixels hobby. J'ai goût d'essayer. Vu qu'elle est pas trop pointue, là, ça pourrait toujours servir pour des pixels hobby. Donc ça, on a ici l'image en question. Donc voici l'image de la toile. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Donc, c'est Whippet. Trop mignon. Un beau petit chien. Je ne sais pas c'est quelle race, par exemple, mais il est vraiment trop beau. Avec toutes ses couleurs arc-en-ciel, ça promet. D'où Whippet arc-en-ciel. Hein? Donc, c'est vraiment, c'est ça. Une 60 par 60. Niveau B. Donc, c'est ça, il y a deux qualités. Niveau A, c'est un niveau qui est plus travaillé. Et la niveau B, c'est un peu moins... travaillé par l'être humain, mais de bonne qualité quand même. Là. C'est pas mauvaise qualité, c'est qu'en fait, ils veulent faire en sorte, Vicky, elle voulait faire en sorte de faire des toiles pour différents budgets. Donc, pour laisser la chance à tout le monde de pouvoir se procurer une de ces toiles, si, mettons, vous voulez pas mettre un budget trop haut, ben, il y a la niveau B qui est excellent. Mais c'est ça, c'est comme ça, vous avez plus, selon vos moyens, là, tu sais, dans le fond, ça laisse la chance à tout le monde de pouvoir s'en procurer, sans trop, tu sais, être serré, là, après ça, au niveau, non, franchement, je trouve que l'idée est vraiment excellente. Donc moi, ici, c'est une de niveau B et en diamant rond. Donc, ici, c'est écrit « Relax et sois créatif ». Donc, on a ici la table des matières. Donc, on a 68 couleurs. Donc, on a beaucoup, beaucoup de couleurs. Hein? Donc, normalement, ils sont supposés être prédécoupés, mais je crois que... Non, c'est ça, là, ils ne sont pas, là. Mais elle leur avait demandé de le faire prédécouper chacun. Mais ça n'a pas été fait. Mais les prochaines commandes, ça va être fait. C'est quand même autocollant. Donc, c'est juste que là, on va pouvoir juste couper. Puis, les couper chacun. Mais sinon, c'est autocollant. On a ici les couleurs. Regardez-moi ça. Ces belles couleurs-là. Et c'est de la résine. Et on a des diamants spéciaux, comme vous voyez ici, là. On a du strass. J'ai très hâte de voir ça. Wow! Est-ce qu'on voit les diamants AB là-dessus? Oh! On a... attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 diamants B et 2 strass. Wow! Moi, j'ai trop hâte de voir ça. Donc, voici les couleurs. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai pas une bonne luminosité, par contre. De magnifiques couleurs, franchement, là. Et on va aller voir la toile maintenant. Donc, oh, il est trop beau! Moi qui adore les animaux, là, c'est sûr que j'allais craquer. Ah, oh, il est trop beau! Donc, la toile, on peut, pour faire en sorte que la redresser un peu, parce que là, ça a été roulé, c'est normal. Donc, on va juste replacer le film plastique. Oh! Aussi, le papier transparent, c'est de qualité. Ça me fait penser au papier transparent de chez Oraloa. Donc, normalement, c'est d'excellente qualité. Donc, vous voyez déjà, là, elle se met à plat toute seule. Et après, on va venir chasser l'air. Oh, wow! Regardez-moi ça comme il est trop chou! Oh! J'adore! Les belles couleurs, là. Puis, on a des belles zones blocs aussi. C'est pas confetti. C'est tout ça, là. Tu sais, ici, c'est bloc. Ici, on a un mélange. Donc, c'est un mélange de confettis et blocs, mais vraiment pas à la tonne de confettis, là. Franchement, là. Ouais, j'aime beaucoup. Je vais replacer l'autre côté. Après ça, on va regarder la toile. Bien comme il faut. Oh, wow! Je la regarde dans le retour caméra, mais je la trouve trop belle. Et voilà. Donc, je vais enlever l'air. Je vais chasser l'air au complet. Donc, très important quand vous avez une toile. Voyons, j'ai le manche long qui met. Que vous avez, comme ça ici, c'est des toiles en col coulé. Donc, il n'y a pas de danger. T'sais, si vous la roulez de l'autre sens, il n'y a pas de danger de rivière. Seule chose, si vous replacez comme moi le papier transparent, assurez-vous de bien retirer l'air en dessous pour pas que la colle sèche entre la toile et le papier transparent. Très important. Pour des toiles de qualité comme ça, on veut les conserver le plus longtemps possible. Donc, les conserver aussi dans un endroit pas trop humide, pas trop chaud non plus. Pas comme l'été, là, des fois, faire attention quand il y a des grosses chaleurs. Là. Donc, on a ici son logo, l'essentiel ADP. On a la table des matières en haut à gauche et en bas à droite. On a ici les informations de la toile. Donc, on a la petite image, le type de la toile, les dimensions et la catégorie de qualité de la toile. Et ici, si en diamant rond ou en carré. Comme ceci, elle est en diamant rond. Donc, et voilà. Ici, c'est indiqué l'essentiel pour agrémenter votre expérience DP. Et ici, on a ses réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et TikTok. Donc, là, ici, c'est vraiment bien noté. Il n'y a pas d'erreur. Là. C'est seulement sur la boîte. Donc, fiez-vous à ce qui est écrit sur la toile. Mais ça devrait être modifié là, au courant des prochaines commandes. Donc, ça ici, ah, je l'adore. Franchement, il est vraiment trop beau
ce petit chien. Mais vraiment, regardez-moi ça. Non, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on va aller vérifier la colle. J'ai pas vérifié. Donc, ça colle super bien. On va aller vérifier à plusieurs endroits. Oui. Donc, ça colle très, très bien. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc, c'est parfait. Et on va aller voir les couleurs. Donc, les couleurs AB. Je vais juste sortir les AB. Je vais faire défiler les couleurs. Donc, vous voyez, on a des roses, on a des mauves, on a des bleus, on a des verts, on a des jaunes, on a des orangés, on a des rouges. En fait, on a vraiment un gros mélange de couleurs. On a des beaux mauves ici, là. J'aime beaucoup. Ouais. Donc, je vais sortir les diamants AB. Et les strass, donc les diamants spéciaux. Et je vais vous dire où ils sont situés sur la toile. Je ne veux pas défaire le beau paquet. Okay. C'est tout bien placé en plus. Et voilà. Et on va prendre une couleur foncée, tiens, pour voir. Parce que d'habitude, on a toujours, pour ce qui est des diamants en résine, et des fois, on a de la difficulté avec les diamants de couleur noire ou très foncée. Donc, on va aller voir une couleur foncée. Je vais prendre celui-là. Je ne sais pas, c'est un bleu très foncé. C'est le 939. Donc, on va aller voir ensemble la qualité des diamants. Donc, j'ai mon plateau ici. On va aller voir la qualité. Donc, déjà, on n'a pas de statique. Ça, c'est un point positif aussi. Parce que des fois, en sachet comme ça, c'est porté à avoir de la statique. Ça glisse tout seul. Donc, regardez-moi cette brillance. Focus, il veut pas. Mais ça me semble bien. Il n'y a pas de diamant plus gros que d'autres. Donc, vous voyez, c'est vraiment de bonne qualité. Je vois même pas d'imperfection à l'œil nu comme ça. Non. Et c'est vraiment de la résine parce que je vois ici le dos des diamants n'est pas piqué. Donc, la brillance aussi, là, ça paraît que c'est de la résine. Donc, d'excellente qualité, les diamants. Franchement, waouh! J'ai hâte de voir les diamants carrés. Sûrement qu'à un moment donné, je vais passer commande pour une toile en diamant carré, ça c'est sûr. Je veux tester ces diamants carrés. Donc ici, on a la couleur 61, donc un beau mauve AB, donc la couleur 208. On va aller voir sur la toile où il se situe. Donc c'est le 61. Voilà ici, c'est comme une encre. On en a ici au niveau des fleurs, mais vraiment légèrement, donc en petite touche. On en a aussi au niveau des fleurs ici. On en a ici. On en a ici. On en a dans l'oreille. On en a ici. On en a ici. On en a également ici.
Et je crois que c'est pas mal ça. Donc c'est ça, c'est quand même par petites touches, c'est pas trop. Je trouve ça juste parfait à date, là. Ouais. Donc ça, c'est pour ce qui est du mauve ici. Ensuite, on va aller voir le rouge, donc le 666, un beau rouge AB. Donc lui, c'est le 62, donc le 62, c'est le L majuscule. Donc le L majuscule, on en a dans cette fleur-là ici. Donc ici. On en a dans cette fleur-là aussi ici. Également ici. On en a aussi ici, au niveau de la fleur ici. Non, ici en fait. Ouais. Est-ce qu'on en a dans les yeux? Non. Est-ce que je voyais du rouge, mais je n'étais pas sûre. OK. Donc, c'est pas mal tout. Est-ce qu'on en a ici? Non. Donc ça, mais on avait une petite quantité, donc c'est normal qu'il n'y en avait pas à la tonne. C'est vraiment bien réparti. On a ici un orangé jaunâtre en AB. Donc ça, c'est le 63. Donc le 63, c'est le P majuscule. Donc P majuscule, on en a quand même dans les fleurs, là, ici, ici. On en a un ici. On en a ici. Ici. On en a ici. Et on en a complètement en bas de la toile ici. Vous ne voyez pas à cause du reflet de lumière, là, mais ici, on en a. Ouais. Donc ça. Et c'est tout pour le symbole P. Donc, on en a un peu au niveau de ses sourcils, ici. Ouais. Donc, ça. On a un beau bleu ici, AB. Donc, c'est le 64. Donc, un bleu pâle. Il est vraiment très beau, celui-là. Donc, lui, c'est le. OK, c'est comme un demi-cercle avec un point au centre. Donc, ça, d'après moi, ça va aller dans le chien. Donc, on en a ici, tout ça ici, ici. On en a ici. On en a ici. On en a ici. Donc, ici. On en a ici, au niveau de l'oreille. C'est pas évident, elle est gigantesque. Donc, on en a ici. On en a ici. On en a ici. Ouais, c'est pas mal ça. Donc, c'est surtout au niveau du chien. On a ensuite celle-là ici, donc c'est un beau jaune poussin. Donc ça, c'est le 65. Le 65, c'est le symbole argent. Donc le symbole argent, on en a ici, ici, ici. On en a ici. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah, on en a ici. Vraiment, tu vous voyez ici le jaune pâle, 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 là. Donc, on en a là.
On en a ici. Je ne sais pas si je l'avais mentionné ici. Au niveau des fleurs, c'est pas mal ça. Donc, on en a un peu sur le chien et sur les fleurs. Ça, c'est bien. On a ici un autre pot bleu. Donc, il ressemble un peu à celui-là. Hein. Donc, ça, c'est le 996. Lui, c'est le 3846. Mais lui, il est un peu plus pâle encore. Donc, un beau bleu. AB. Et lui, c'est le 66. Donc, le 66. OK, c'est ce symbole-là ici. Donc, d'après moi, ça va être dans le chien aussi. Ah, on en a ici. Ici. On en a ici. On en a ici. Je sais pas si vous voyez. Donc ici. Ouais, c'est pas mal ça. Donc surtout au niveau du chien. Ouais. Est-ce qu'on en a dans le ciel? Je pense pas. Ah, attendez. Juste voir. Non, ça c'est le numéro symbole 4. Comme ça. Ensuite, on a du strass rouge, comme ça ici. Donc ça, c'est le 67. Donc, 67, c'est le symbole M. M majuscule. Donc, on va aller voir où il se situe. Je suis curieuse. Ah, ah. On en a dans les yeux ici. On en a ici dans les yeux aussi. On en a au-dessus de l'oreille ici. Donc, on en a au-dessus de l'oreille ici. Donc, dans les yeux ici et ici. On en a un ici. On en a deux ici. Un ici. On en a d'autres ici. Un peu ici. Au niveau des fleurs aussi. Un ici. Oh, on en a beaucoup ici, là. Au niveau de la fleur ici, là. Il y en a beaucoup. Tout ce que vous voyez d'orange, là, c'est tout du M. Et c'est pas mal ça. Ouais, puis on en a un peu ici au niveau du bas, là, ici. Donc ça, c'est pour le strass rouge. Donc, quand même, on a quand même pas mal. On a ici un strass vert. Vert lime, un peu. Donc, le vert lime, c'est 68, c'est H minuscule. Donc, on en a ici, ici, ici. On en a ici. Donc, on en a un peu partout au niveau des tiges. Donc, ici. Ouais, vraiment, où est-ce qu'il y a les tiges, là, il y a beaucoup de H. Donc, ouais. Donc, ici. On en a ici. Deux. On en a ici. Donc, on en a ici. Je ne sais pas si je l'avais mentionné. Ici. Et ça me semble pas mal tout. Donc, surtout au niveau des fleurs, des tiges, en fait. Ah, on en a aussi au niveau de la fleur ici. Ici, là. Il y a du H ici. Et on en a un petit peu dans le chien, là, où vous voyez des zones vertes comme ça ici, en fait. Ouais. Donc, ça. Donc, ça, c'était nos diamants spéciaux, ainsi que les diamants AB, donc les strass et AB. Donc, je vais vous montrer l'impression. Je vais vous rapprocher. Vous voyez l'impression, là, c'est parfait. On voit très bien le quadrillage. Donc, je vais juste remettre parce que là, je t'en... Allez, focus!
Donc, c'est super bien imprimé. Donc, c'est super. Donc, je vais faire un petit survol de la toile. Oh, il est magnifique. Magnifique. Les belles fleurs ici en bas. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Wow! Et voilà. Donc, c'est ça que ça donne. Donc, on va aller mesurer la toile. Donc, c'est bien une 60 par 60. Si je mesure l'autre côté, là, je suis pas mal sûre, c'est une 60 aussi de l'autre côté. Ouais, donc c'est vraiment une réelle 60 par 60 cm. Donc, c'est magnifique. De magnifiques couleurs, les beaux mots, et voilà. Donc, vous voyez la qualité. Je ne sais pas si je peux peut-être zoomer. Ouais. La qualité des diamants. On voit ici que c'est de la résine, ils ne sont pas piqués. Ouais, non, c'est vraiment de qualité, là, franchement. Wow! Bravo, Vicky! Tu peux être fière de toi, franchement, là, c'est superbe. Ouais. Je vais remettre ici. Oh non, j'aime beaucoup. Je vais sûrement la faire très prochainement. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je vais mettre le lien de la toile ici dans la barre de description, ainsi que le lien de la boutique de Vicky, donc la boutique L'Essentiel ADP. Donc, elle a un site web maintenant, donc vous pouvez aller voir là, tous ses produits. Elle a beaucoup de washi tape, elle fait du putty, elle fait plein de choses. Et maintenant, des toiles en plus. Donc, franchement, wow, je suis plus que fière de cette belle compagnie. Et voilà, donc c'est ce qui conclut ma petite vidéo. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Moi, je remercie énormément Vicky pour sa confiance et sa générosité. Merci beaucoup à toi, Vicky. Ce fut un réel plaisir de présenter un de tes produits, franchement, de qualité. J'adore. Donc, continue comme ça parce que tu fais du bon boulot, vraiment. Je remercie vous aussi d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, mettez-moi un petit chien. Tiens, je suis curieuse de voir qui a regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donc, n'hésitez pas à lever vos petits pouces si vous avez aimé la vidéo et également à commenter, ça fait toujours plaisir de vous lire et aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc moi sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Merci! Bye bye!